Voilà pourquoi je monte pas ma tête depuis tout à l'heure. Désolée, t'as un filtre sur la tête. C'est ça donc les filtres. C'est fou. Et ça change tout, hein. T'es beau d'un coup, non? Arrête, j'aime pas ça. Du coup, il faut que je monte ma tête pour vous dire que la vidéo est en ligne. Là, on va aller voir les commentaires. Est-ce que tu l'as vu? Et le filtre, Starfallah. Est-ce que t'as vu la vidéo? Bien sûr, j'ai vu ta vidéo. Mmh. Ah, elle parle de quoi? Elle parle de l'amour. Ouais, bah oui. Entre toi et moi, non, je rigole. Elle parle de motivation. Non, t'as eu une chance. Plus sérieusement, je m'éloigne. Tout ça pour vous dire du coup que la nouvelle vidéo est en ligne dans laquelle je parle du fait d'être trop gentille. C'est vraiment un sujet. Alors, la dernière fois, quand je vous avais dit de choisir entre du coup être trop gentille et dessous d'influence, je ne savais. Enfin, je ne pensais vraiment pas que vous alliez choisir celui-là. Et je suis trop contente que ça vous intéresse. Donc, j'ai mis tout mon cœur et mon âme. Surtout que c'est un sujet qui me concerne personnellement et je pense qu'il concerne beaucoup de personnes. Donc voilà, si vous voulez arrêter d'être pris pour des pigeons, click. Baby, j'ai hâte de voir vos commentaires. Et d'ailleurs, vu qu'on en parle, j'avais une question à vous poser parce qu'il y a un petit truc qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Et en fait, je me suis dit que vu que les talks, vous voyez, le format de vidéo de talk que j'ai depuis quelques mois maintenant, qui vous plaît beaucoup et j'en suis trop contente parce que c'est vraiment un format que j'aime énormément faire. Et du coup, en fait, je me suis dit que ça serait cool de prendre la version audio de chaque talk vidéo et de le mettre en podcast parce que je refais parce qu'il y a eu trop de pensées dans ma tête. Je vous disais que ça fait depuis très très longtemps que je vous parlais de podcast, genre depuis 2 ans j'ai envie d'en faire. Et après l'arrivée de dizaines et de milliers de podcasts sur votre toile, ce qui est génial, mais ce qui peut être un peu beaucoup, du coup je me suis dit un peu découragée, je me suis dit bon vas-y c'est pas la peine de faire un podcast, ça sert à rien. Mais maintenant que j'ai un talk qui est filmé, beaucoup d'entre vous veulent la version audio et juste l'écouter quand ils sont dans le métro ou en train de marcher dans la rue, etc., faire le ménage. Du coup, est-ce que vous voulez que je le transforme aussi en version audio? Comme ça, il y aura la version vidéo et la version audio pour ceux qui veulent choisir le format qu'ils veulent. Et je la mettrai sur les plateformes d'écoute. Donnez-moi votre avis.